Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'évaluation de l'élection présidentielle et les préparatifs des futures échéances sont au menu d'une rencontre des préfets et gouverneurs du Mali à Bamako. Cette réunion va identifier et corriger les insuffisances avant les prochaines échéances, car malgré la bonne tenue du scrutin présidentiel, quelques insuffisances ont été enregistrées. Mamadou Bagayogo, reportage. Moins d'un mois après l'élection du président de la République, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, évalue l'élection présidentielle. Vous avez ensemble relevé un grand défi, non seulement par la tenue de l'élection présidentielle à la date initialement fixée, mais surtout par un vote massif, démocratique, libre et inclusif. Toutefois, la réponse à certaines questions comme les leçons apprises par les commissions locales et la remontée des résultats, la formation électorale va améliorer la tenue des prochaines échéances électorales. Si la tenue du scrutin présidentiel a été saluée par tous comme un pari gagné ou un défi relevé par les acteurs que nous sommes, cette appréciation nous impose de nous remettre en cause pour améliorer la qualité de notre participation aux autres étapes du processus électoral. C'est justement dans ce contexte qu'il faut situer cette journée d'évaluation, journée au cours de laquelle il vous revient sans scrupule aucun de présenter les vertus de ce processus en relevant les acquis positifs à préserver ou à renforcer et surtout les insuffisances à combler avant d'aborder les autres échéances. Pour ce faire, la contribution des préfets et gouverneurs est essentielle. En qualité d'agents de terrain, il leur revient de recenser les insuffisances à combler pour l'avenir. Les acteurs de l'OADA entendent harmoniser l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives en Afrique. Cette sensibilisation commence par notre pays sur les 17 que compte l'organisation, car les organisateurs trouvent que la société malienne a des fondements et une qualité qui mérite d'être un exemple en Afrique. Le reportage de Mariam Sagara. C'est le Mali qui détient la primeur de cette activité de sensibilisation de l'OADA sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives en Afrique. 17 pays sont concernés par ces échanges qui permettront d'harmoniser les sociétés pour fédérer les acquis juridiques et politiques africains. Le choix de votre majestueux pays, chargé d'une histoire saillante et d'une vocation panafricaine jamais démentie, le Mali a toujours été à l'avant-poste pour tout ce qui est du panafricanisme, motivé par sa place éminente comme pays fondateur, ainsi que par sa présence constante, active et véritablement constructive au sein de notre organisation. Le Mali, disons-le haut et fort, répétons-le, proclamons-le, a toujours été à l'avant-garde des combats pour l'intégration africaine parmi les pays fondateurs de l'OADA. Le Mali s'est dit honoré par cette initiative des responsables de l'OADA. Que Bamako soit l'une des premières capitales à abriter la présente activité est un geste fort symbolique, surtout qu'il intervient le lendemain de l'investiture du président de la République, symbole du retour du Mali à la normalité constitutionnelle. Cet acte uniforme constitue un outil pour le développement et le renforcement du secteur coopératif qui évoluait dans un environnement législatif marqué par l'obsolescence des textes. Il permettra, à n'en pas douter, de favoriser le développement d'un secteur coopératif plus fort et mieux adapté aux réalités économiques communautaires et mondiales. L'OADA est une organisation dont les idéaux cadrent bien avec ceux du Mali qui s'attachent à l'intégration africaine. Ces projets de l'OADA ne feront que renforcer les acquis du droit des affaires au Mali. Les agents de la Commission Dialogue et Réconciliation, la société Vivo Énergie Mali, l'Union nationale des femmes musulmanes et le mouvement Sabati 2012 viennent de manifester leur compassion en faveur des populations victimes des inondations du 28 août dernier. À travers les maires des communes 1 et 4, les sinistrés ont bénéficié entre autres de produits alimentaires, de vêtements et des dons en espèces. Fadima Keïta pour les détails. Les maires des communes 1 et 4 du sud de Bamako reçoivent respectivement la somme d'1 million de francs CFA.
Les différentes sommes sont une contribution volontaire des membres de la commission Dialogue et Réconciliation du Mali. Les montants sont destinés à appuyer les populations sinistrées des dites communes victimes des inondations survenues le 28 août dernier. Ce qui est important, c'est surtout le sentiment d'être venu au secours des frères et des sœurs, le sentiment d'avoir partagé avec des frères et des sœurs la douleur qu'ils ressentent. Au nom des populations bénéficiaires, Mme Conté Fatoumata Doumbia et Moussa Mara, respectivement maire des communes 1 et 4 du sud de Bamako, saluent les différents gestes qui visent à alléger les souffrances de ces populations en détresse. La société Vivo Énergie Mali vole au secours des populations sinistrées des communes 1 et 4 du sud de Bamako. Elle vient de mettre à leur disposition une importante quantité d'huile et de riz. Cette remise a eu lieu cet après-midi au siège de la société Sise Adjelibougou en commune 1. Par ce don, cette société entend accompagner le Mali dans ses efforts de prise en charge des populations en situation difficile. Geste similaire cette fois-ci de la part de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali, UNAFEM. Elle vient de mettre à disposition des victimes des inondations des communes 1 et 4 des habits, des moustiquaires, des draps, des ustensiles de cuisine et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Selon la présidente de l'UNAFEM, Mme Diakité Kadia-Togola, ce geste vise à alléger les souffrances de ces populations en détresse. Les autorités municipales, au nom des bénéficiaires, remercient l'association caritative pour cette action humanitaire. Transit colis de vêtements pour hommes, femmes et enfants et des matériels de cuisine et plus d'un million de francs CFA en espèces, telles sont les contributions des femmes du mouvement Sabati 2013 pour les victimes des inondations de Bankoni. La remise a donné lieu à une cérémonie modeste au second cycle de Bankoni. Les personnes touchées par ces inondations ont reçu également l'assistance du gouvernement à travers la direction de la protection civile, avec l'appui de l'OMS et de l'Organisation internationale de la migration. La direction de la protection civile a remis un don d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA aux populations sinistrées des communes 1 et 4. Adama Koulibaly. L'appui de l'Organisation mondiale de la santé est composé de matériel d'équipement, deux unités de purification d'eau avec les accessoires, des appareils munis de recevoir de stockage d'une capacité de 169 000 litres. Ces unités de purification sont accompagnées de 40 boîtes de produits de traitement de l'eau, des kits de contrôle de la qualité de l'eau et des produits pour désinfecter les toilettes. L'appui de l'Organisation internationale de la migration est composé de fournitures variées, 500 kits dans chaque variété de fournitures composés de nattes, de couvertures, de moustiquaires et de matériel de cuisine d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Le donateur est heureux de tendre ses mains parce qu'il les rend service. Le receveur est beaucoup plus heureux parce que le geste le soulage, sinon guérit son mal. Les donateurs ont réaffirmé leur engagement à rester derrière les autorités du pays pour accompagner les populations. L'Organisation internationale pour les migrations s'est portée dès les premiers jours volontaire pour assister le gouvernement malien dans la réponse aux inondations qui ont frappé Bamako. Nous restons disponibles pour vous aider. Les inondations constituent des catastrophes qui font des dégâts immédiats, mais aussi qui ont des suites très compliquées. Et on s'attend à une recrudescence des épidémies, des maladies transmissibles. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des représentants des communes 1 et 4 du district de Bamako. Actualité hors de nos frontières, nous nous rendons en RDC pour parler d'économie. Le pays vient de lancer officiellement un certificat de plusieurs minerais afin de lutter contre le financement mafieux des groupes armés. L'événement est presque passé inaperçu, pourtant il s'agit d'une avancée majeure. Kinshasa vient de lancer la certification de plusieurs minerais pour lutter contre le financement mafieux des groupes armés en République démocratique du Congo. Ce certificat assure la traçabilité de l'or, de la cassitérite et du coltan, dont le commerce clandestin alimente depuis des années les violences dans l'est de la RDC. La communauté internationale s'est rendue compte effectivement qu'en achetant ces produits
à l'extérieur qui sont des produits de sang, on continue à alimenter l'économie de guerre, tout ce qui est en dessous de tous ces crimes contre l'humanité, ces viols de femmes, etc., que nous voyons à l'est de la RDC. Ce certificat d'une validité de 45 jours reprend le lieu d'origine du minerai, les noms et adresses de l'exportateur, le numéro de licence et la date d'expédition. Il est doté d'un hologramme pour éviter sa falsification. Ce certificat sera désormais exigé par la loi américaine. Quatre minéraux qui sont exploités actuellement à l'est de la République, c'est-à-dire le coltan, le wolframite, la cassitérite et l'or. Ce sont les quatre minéraux qui sont les plus concernés par cette exploitation illicite. C'est pour ça que nous avons mis. Le diamant, on ne peut pas le mettre parce qu'il est déjà sous couvert du certificat de Kimberley. Là, il n'y a pas de problème. Cette certification est une révolution à l'image du processus de Kimberley mis en place afin de garantir la traçabilité des diamants bruts lors des guerres sanglantes du Libéria et de Sierra Leone. Mais il faut s'assurer que cette certification ne soit pas détournée par des complicités locales et la société civile a un rôle de vigilance à jouer. Si par exemple la société civile constate qu'il y a le système de contrebande qui continue à faire sortir les minéraux, la société civile a aussi pour rôle de faire des alertes pour que les autorités soient sensibilisées à enquêter. Pour l'heure, 3 sites ont été certifiés conformes, c'est-à-dire que la production de minéraux dans ces lieux échappe au contrôle des groupes armés. Aucun site du Nord Kivu n'a été retenu à cause de l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Incroyable mais vrai, Zambie, plusieurs touristes se rendent à la chute Victoria, communément appelée piscine du diable. Selon ces derniers, la baignade est sensationnelle. Entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes Victoria. Ce sont les chutes les plus spectaculaires du monde et elles attirent chaque année des millions de touristes. Outre le paysage, elles proposent une attraction particulière pour les amoureux de sensations fortes, la piscine du diable. À 108 mètres au sommet des chutes, ce bassin naturel n'est accessible qu'en saison sèche, de septembre à décembre. Le niveau d'eau et le courant sont alors faibles et permettent la baignade, sensation garantie. C'est tellement fantastique, tellement effrayant et terrifiant. Vous êtes au bord du vide, ça éclabousse partout. C'est une expérience fantastique et terrifiante. Votre corps a de petits frissons nerveux et il y a même de petits poissons qui mordillent vos chevilles. C'est inquiétant. Avec la piscine du diable, vous faites trempette avec la mort car rien ne vous sépare vraiment du bord des chutes. D'ailleurs, la prudence s'impose car il y a parfois des accidents mortels. En 2009, un guide est mort en tentant de sauver un touriste qui s'était endormi et qui était sur le point de tomber. La crise syrienne au menu du sommet des 20 pays les plus influents au monde à Saint-Pétersbourg. Une occasion que les présidents français et américains mettront à profit pour convaincre la Russie et son allié chinois pour une frappe punitive et préventive contre l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Une crise qui a fait plus de 2 millions de déplacés. Plus de 2 millions de réfugiés syriens, 8 fois plus qu'il y a un an. Liban, Jordanie, Turquie ou Irak, face à ce chiffre exponentiel, les pays voisins de la Syrie se préparent au pire scénario. D'autant que seuls 40% de l'aide internationale promise pour 2013 a été versée. Depuis Genève, les ministres des Affaires étrangères de ces pays en première ligne du drame humanitaire ont appelé mercredi à une aide massive aux côtés du haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Seul moyen d'échapper à la catastrophe annoncée, stopper la violence. Nous sommes confrontés à l'escalade dramatique du conflit syrien, à savoir l'utilisation d'armes chimiques. Toutes les actions qui génèrent des afflux de réfugiés doivent cesser. Il est nécessaire de trouver une solution politique pour mettre fin à la violence. Il n'y a pas de solution humanitaire à la crise. On a plutôt besoin d'une solution politique qui mette fin à la crise humanitaire. Au-delà d'une aide humanitaire, les voisins de la Syrie réclament un véritable plan Marshall sous forme d'une aide d'urgence au développement pour financer notamment écoles et infrastructures. Dans un pays comme le Liban, où les réfugiés syriens représentent désormais 20% de la population, la situation est critique. Cela devient alarmant au point de vue sécuritaire, au point de vue social, économique et démographique. Et je dois dire que jusqu'à présent,
La réponse de la communauté internationale à cette crise a été très décevante. Une tragédie qui se joue aussi à l'intérieur de la Syrie, où 4 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit en 2011. Autant de laissés pour compte de l'aide humanitaire. Valérie Amos, la chef des opérations humanitaires des Nations Unies, est arrivée jeudi à Damas pour demander une fois de plus aux autorités syriennes un meilleur accès à ces populations. Mon nom bref, à présent, nous nous rendons d'abord en Égypte pour parler de la manifestation des habitants de Manama. Nous allons également parler de ce petit robot japonais envoyé dans l'espace et qui vient de prononcer ses premiers mots. Cette expérience a pour objectif d'étudier si un robot peut apporter un soutien moral à des personnes isolées. Mais avant, direction Égypte. Plusieurs milliers de Bahreïnis ont manifesté vendredi à la périphérie de Manama, une dizaine de jours après la répression par la police d'une marche s'inspirant du mouvement égyptien Tamarod. Agitant les drapeaux rouges et blancs du royaume et brandissant des photos de prisonniers politiques, les manifestants réclament des réformes démocratiques. Le pays à majorité chiite trouve illégitime la monarchie sunnite au pouvoir des Al-Khalifas. La police a également tiré des gaz lacrymogènes dans la banlieue de Manama contre des jeunes manifestants en colère après la mort de jeunes activistes. Le Vatican a rappelé son ambassadeur en République dominicaine après que plusieurs médias locaux l'aient accusé de pédophilie. Le nonce apostolique Joseph Wesolowski a été relevé de ses fonctions le temps de l'enquête. Le recteur de l'université catholique locale s'est dit très surpris par cette annonce. Le pape François avait assuré, après son élection, vouloir punir les personnes qui, au sein de l'Église catholique, se livrent à des abus sexuels sur des enfants. 4000 ouvriers du textile ont défilé jeudi dans les rues de Phnom Penh pour protester contre le licenciement de 700 salariés travaillant pour une usine fournissant de grandes marques de vêtements occidentales. Ces licenciements interviennent après une grève de 2 semaines qualifiée d'illégale par la direction du groupe singapourien. Les syndicats demandent maintenant l'intervention du gouvernement dans ce conflit. Le groupe textile versera des indemnités aux ouvriers licenciés et le travail reprendra lundi pour les autres, a affirmé la direction du groupe. Le robot japonais envoyé dans la station spatiale internationale a prononcé ses premiers mots dans l'espace. Une première, se sont réjouis jeudi ses concepteurs de l'université de Tokyo. Kirobo, c'est son nom, peut tenir une conversation presque naturelle. L'objectif de cette expérience est notamment d'étudier si un robot de compagnie peut apporter un soutien moral à des personnes isolées durant une longue période. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous serez avec Andy Sissoko pour les éditions du soir. Bon après-midi à tous et prenez soin de vous.